Alors, bonjour à tous, ici Dan Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, petite discussion au sujet du marché OTC comparativement au marché régulier, le Nasdaq et toutes ces autres actions-là. Je vous explique ça à l'instant. Aujourd'hui, belle petite journée pour moi. Je voulais vous le montrer pour justement que vous réalisiez à quel point que pour moi, les marchés OTC sont importants et sont importants dans mon année de salaire que je vais me faire aussi à la bourse. Comme vous me connaissez, pour ceux qui sont avec moi live presque tous les jours, vous me voyez aller. Mes gains en général sont par exemple de 2, 3, 4, 500. Ça va jusqu'à 1000, 1500. Et quand j'ai une bonne journée, théoriquement, on va faire peut-être un 2000 en day trading. Sauf que c'est... gains-là sont intéressants, ces petits gains vont loin, mais quelques gros gains ici et là peuvent nous aider aussi à progresser et progresser très vite dans notre compte où on essaie justement d'ajouter et d'ajouter de l'argent dedans à chaque jour. C'est le but de la chose. Donc, si on regarde le marché OTC, je vais vous montrer aujourd'hui ma journée qui était environ... j'ai commencé à 97 400, vous voyez. Attends, 2 secondes. Start of the day. Donc, au début de la journée, on était à 97 411. Et current, nous sommes à 101 113. Donc, environ 3 700 de profit aujourd'hui canadien. Malheureusement. Mais que voulez-vous? On va pas pleurnicher là-dessus. Ce que je voulais vous montrer à travers tout ça, c'est que ça fait partie d'un de mes swing trades, celui-là. J'ai plusieurs swing trades et quand j'embarque, je vais embarquer dans des endroits où c'est quand même assez peu volatile, où mon risque est très géré et quand je vais le voir partir, en général, je vais rajouter des quantités dessus. Présentement, j'ai 250 000 actions sur cette action-là. Oui, c'est une action qui est extrêmement pas chère. Et qui ne vaut pas cher, qui ne vaudra pas cher non plus dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, le prix qui sera plus tard m'importe peu. Vous me connaissez, on travaille sur les mouvements qui existent et on essaie d'en profiter le plus possible. Donc, comme vous voyez, j'avais commencé mes quantités, j'ai fait beaucoup de scalping aussi, je vais acheter dans le bas et vendre dans le haut, donc on achète dans le bas. On en vend un peu plus dans le haut, à un certain moment ça se stabilise, on va se mettre à réacheter et tout ça. Donc vous allez voir que là, à un certain moment, ça se met à monter et à monter. Je voulais vous parler des marchés OTC parce que ces marchés-là nous permettent justement d'acheter des grosses quantités. Ce qu'on ne peut pas en général sur le Nasdaq, sur des actions à 5 sous, 10 sous ou 25 sous ou 50 sous encore moins. Donc plus le prix augmente, moins les grosses quantités sont possibles. Donc, pour les marchés OTC, on peut se loader quand même assez d'une façon intéressante. Comme là, si on regarde celle-là, j'en ai 250 000 actions fois 3,3. J'en ai environ, par exemple, pour 10 000 $ environ. Bon. Cette action-là va me donner, juste aujourd'hui, à elle seule, près de 2 000 $ de profit. Juste un mouvement avec un 10 000 $ que j'ai placé et j'ai un gros potentiel devant moi. On regarde les précédents spikes. Bon, on a un spike ici qui va monter assez haut. Donc, on était à 7. Donc, mon potentiel est quand même possible de passer de 3 jusqu'à 7. Mais qui sait, on peut se ramasser à 11 et on peut se ramasser à 20 aussi. On ne sait jamais. Ce n'est que l'an dernier. Vous voyez le genre de spike qu'on peut avoir et ce fut toute une hausse l'an dernier. On est passé vraiment de 0,05, même pas un demi-sou, jusqu'à 20 sous. Cette année, que se passera-t-il? Est-ce qu'on va passer de 3 sous à 1 dollar? Personne ne le sait. Mais quelque chose qui est certain, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à faire ce type de gain-là sur le marché normal. Et le marché OTC, lui, va m'en donner assez souvent de ce type de gains-là, des gains qui sont carrément astronomiques. Vous voyez, en général, pas vraiment de stress. On spike,
on fait le bull flag, on va faire un autre spike, on va faire un autre bull flag et ça va continuer, espérons. Si ça ne continue pas, c'est pas plus grave que ça, on en fera peut-être un petit peu moins, mais cette action-là aujourd'hui m'a rapporté quand même 2 500 $. J'ai quelques autres petits trucs ici et là. J'avais fait environ 650 en day trading, deux transactions qui ont bien été. Alors, tout ça pour arriver à 3 800 $ environ. Donc, vous voyez que le potentiel des marchés OTC est pas à négliger. Les marchés OTC, la problématique, c'est habituellement, il n'y a pas de volume, donc ça bouge très peu. Et quand ça bouge très peu, c'est difficile de faire de l'argent. Mais quand ça se met à bouger, c'est là qu'il faut embarquer dedans. Il faut avoir peut-être un peu moins peur et voir justement ce type de bull flag-là arriver pour pouvoir en profiter. Quand on voit ces marchés justement qui ne bougent presque pas, vous voyez justement ici, il n'y a presque plus de fluctuations. C'est facile quand même d'établir certaines résistances. Cette résistance ici, cette résistance là, un petit peu plus haut, et savoir que quand on va briser toutes ces résistances là, et ça fait plusieurs jours qu'on essaie de traverser ou on essaie de baisser, on n'est pas capable et on se met à remonter, ben à un certain moment, justement, acheter ces breakouts là sont assez évidents sur les marchés OTC. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas si ça va durer longtemps et tout ça, mais il faut quand même être focus et regarder justement qu'est-ce qu'on peut faire avec certaines actions comme ça. On va finir par connaître certaines actions, connaître les quantités qu'on peut acheter sans problème et connaître le potentiel de certaines actions aussi. Donc, vous voyez un petit peu le potentiel qu'il y a dans les marchés OTC. Ce n'est pas parce que ce sont des actions de merde, et qu'ils n'ont aucune valeur et qu'ils n'auront absolument aucune valeur probablement dans le futur non plus, qu'on ne peut pas faire d'argent avec. C'est absolument le contraire. Il y a de la volatilité, il y a des choses qui bougent beaucoup et qui bougent très vite, et on peut en profiter, mais il faut absolument oublier le long terme dans ces actions-là, puisque cette action-là va probablement monter pendant genre une semaine, 2 semaines, gros maximum. Et quand on va atteindre des spikes à certains niveaux, il va falloir vendre, parce qu'après ça, tout ce qui va nous rester, c'est une baisse absolument catastrophique, parce que si on regarde, et j'achèterais la même quantité de 250 000 actions ici, je ferai environ 50 000 $ si je calcule bien vite. Et si je fais 50 000 $ à 20 sous ici, on voit que ça a redescendu quand même extrêmement rapidement. Donc, faut arrêter d'avoir espoir dans le futur. Et le futur est maintenant. Le futur, on est là. On est dans le spike. C'est présentement. On est en train de monter. Faut en profiter là. Quand il aura fini de monter et commencera à redescendre, il faudra sortir parce que quand on va voir ça, après ça, on va être pris dans le stock et on va voir nos profits baisser, 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 baisser jusqu'à on ne sait jamais combien. Donc, ça peut descendre très vite. Là, on voit, on supporte un petit peu plus haut et un peu plus haut et espérons une explosion éventuelle de ce stock-là. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer que les marchés OTC ne sont pas à négliger. Vous pouvez évidemment trader le marché normal. Le marché normal va vous donner des gains intéressants, mais le marché OTC, moi, je ne peux absolument pas négliger ce marché-là, puisque ce marché-là va me donner des 25, 50 000 et 75 000 $ par année de profit. Donc, on rajoute ça à tout mon day trading. Au bout de l'année, ça donne un très, très beau profit. Donc, c'était pour vous montrer ça aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les marchés OTC. N'oubliez pas de liker la chaîne Danny Murray Trader pour plus de cours de bourse et apprendre comment justement trader les penny stocks. Si vous avez apprécié, explosez-moi les beaux pouces bleus. Vous pouvez partager la vidéo et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et bonne journée à tous.